Hey, salut les amis! Je vous avais promis de faire une petite vidéo bonus sur ce Super Mario Kart sur Super Famicom avant de passer à la suite des événements. Et la voici donc. Tout d'abord, je n'ai pas arrêté de faire l'éloge de ce jeu depuis le début, et ce, à juste titre. Le jeu des courses le plus fun de 1992 au monde, je vous l'avais déjà dit, et je le maintiens encore aujourd'hui. Beau pour de la Super NES, très maniable et super technique dans ses contrôles, original, on peut même s'avancer en disant qu'il a créé un sous-genre du jeu de course avec son système de power-up. On aime retrouver les protagonistes principaux des jeux Nintendo dans ce jeu de course. Le titre possède une bonne durée de vie et un championnat caché, et même un mode battle qu'on verra un peu plus tard dans cette vidéo. Les personnages variés changent complètement le style de conduite, et les courses ne se ressemblent jamais avec ce côté aléatoire omniprésent tout au long du jeu. Et en plus de ça, le titre est pensé pour être intégralement joué à deux avec un écran splitté horizontalement. Et avec un pote, c'est encore meilleur. Du coup, on a toujours envie d'y revenir, et la rejouabilité de ce titre est quasiment infinie. Ce n'est donc pas étonnant qu'encore aujourd'hui, il y ait des championnats du monde organisés sur ce jeu. Vous l'aurez compris, un must-have qui en plus a bercé mon enfance, mon adolescence, et continue de m'amuser énormément aujourd'hui. Alors voilà, un titre qui mérite 21 sur 20 comme Red Dead Redemption 2. Un titre sans défaut? Non, certainement pas. Et pour vous expliquer pourquoi, je préfère vous le montrer en image. Tout d'abord, avant de remporter les championnats, vous allez fail. De manière plus ou moins injuste, mais vous allez fail. Encore et encore. Ah, purée, c'est abusé ce champignon. En plus, ça dure trop longtemps. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ça va bientôt finir ou pas? Ah, putain. Ah putain! Non mais c'est pas possible, c'est un festival! Mais putain, on voyait même pas à l'écran! Allez, cette fois, je peux le faire! Je suis premier! Tiens, Todd, dans ton cul! Oh! Allez, j'ai l'étoile. Si je me concentre, je peux reprendre la première place. Oh, oh putain, c'est chaud! Oh putain, oui, oui! Oui, oui, ça passe! Yes, yes! Non! Putain de merde! Ensuite, il y aura les trucs improbables et dégueulasses dont vous ne pourrez rien faire. Absolument rien. Ah mais salaud! Ah, come on! Connard! Connard, va! Ouais, ouais, ouais! Ouais, c'est bien toi que je cause! Et puis, encore plus frustrant, il faudra accepter que l'IA cheat. L'IA triche, mais vraiment beaucoup. En fait, les adversaires contrôlés par l'IA ne jouent pas au même jeu que vous. Tout d'abord, en ce qui concerne votre rival du championnat, peu importe combien de fois il aura d'accidents, il reviendra toujours dans les meilleures places de la course, parfois même à la vitesse de la lumière. Ensuite, il faut savoir que l'IA est programmée pour activer ses pouvoirs dans les pires endroits des niveaux, et en plus, elle peut les utiliser à volonté. Ensuite, l'IA peut absolument tout esquiver, quand elle le souhaite et où elle le souhaite. Il s'est littéralement jeté sur le mur pour esquiver cette carapace. Oh my god! Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est le niveau de Bowser 3. La course de la coupe étoile et ses fameuses têtes de pierre. Si vous êtes malchanceux, certaines fois, elles bloqueront tout simplement l'intégralité de la route et vous feront perdre plusieurs places et il n'y aura absolument rien que vous puissiez y faire. Et croyez-moi, si vous refaites le championnat plusieurs fois, cela arrivera. Souvent. Ne vous étonnez donc pas de vous surprendre parfois à insulter en allemand des personnages en pixels, essayez quand même de ne pas casser votre manette, elle est vintage, hein, je vous rappelle. Par contre, si votre mental est suffisamment fort pour supporter ses défauts, à vous les joies de la conduite totalement arcade, les trophées vous attendent. Voilà, j'ai presque tout dit au sujet de ce jeu, on va finir la vidéo avec un peu de gameplay multijoueur, et pour cela, j'ai l'honneur de recevoir un professionnel du milieu, Amir. Bonsoir Amir, est-ce que ça va? Bonsoir Bazouk, ça va, et toi?
Ça va bien, merci. Du coup, voilà, bah merci. Très content que tu puisses m'aider à faire cette petite vidéo sur ma chaîne. On va tout de suite voir ce que ça donne. Alors, pour info, Amir n'est pas avec moi. On joue sur émulateur, sur internet, avec RetroArch. Vous en avez déjà parlé pour la vidéo de la PlayStation Mini. Et puis ça a l'air de marcher pas trop mal, en tout cas la nuit, parce que la journée on avait eu un petit peu plus de mal. Du coup on va essayer de se faire un petit battle mode, hein. Donc battle mode, deux joueurs, on choisit chacun un personnage, un kart, et on doit s'affronter dans une arène, prendre des power-up et se balancer des carapaces à la figure. Le premier qui n'a plus de ballon perd la partie. Et c'est en 3 rounds, me semble-t-il. C'est tout bon pour toi ? Tout bon, Bazook, j'ai hâte de commencer. T'as les carapaces, t'as la verte qui se lance directement en face de toi, et la rouge, comme celle-là, qui est à tête chercheuse. Donc très pratique, tu vois, pour faire éclater les ballons. Hop, ta carapace, je te la vole avec le petit fantôme. Et comme ça, je peux l'utiliser contre toi. Oh, bien esquivé. Elle vient là. Dangereuse. Oh là là, incroyable. Il y a des carapaces partout. Ah, t'as gagné. Hésite pas, hein, si t'as des power-ups pas terribles, tu les balances et t'en récupères d'autres. Hein. Oublie pas, le fantôme, c'est pour me voler des ouais, items. Ouais, j'entends que t'es un bon item. Mais en attendant... Oh merde. Ah, une autre étoile. J'ai de la chance. Oh! C'est serré, c'est à moi qui serré. Elle t'a suivi loin celle-là. Ok, on essaye la 4. La 4 qui ressemble à un parking, quoi. Salut Yoshi! Le jeu ne me sert pas de carapace rouge. Tu as foncé droit devant. J'ai essayé. On va quand même gagner une. Allez. Je vais changer de... Allez, j'essaye la princesse. J'ai pas encore joué la princesse. Et le niveau de glace, il est vraiment différent. Ah, oh, bien joué. En plus, j'ai raté la mienne du coup. Ah, bien joué. J'ai activé au bon moment avant de te prendre la carapace rouge. Oh là 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 là, je t'avais pas vu venir. Ah, j'ai dit que j'allais gagner. Ouf. Ah. J'ai eu très très chaud. Ouais. C'est... Ouais. Ouf. J'ai posé la carapace verte derrière moi, ça m'a protégé. J'essaye de venir derrière toi, mais... Ah, yes. Bravo. Tu l'avais dit, tu l'as fait. Elle a duré longtemps, hein, quand même, mais t'as réussi. Ouais. Bon, c'est parti. Et du coup, de retour avec Amir, toujours... Ça va toujours, Amir ? Ça va. Allez, on se fait cette fois donc une petite vidéo découverte d'une ROMAC. Voilà, si vous avez fait le tour complètement de Super Mario Kart sur Super NES, sachez qu'il existe des tonnes et des tonnes de ROMAC sur internet. Et voici une que j'ai trouvé très très sympa. C'est en fait une ROMAC où on a remplacé tous les participants par des personnages de Street Fighter. Et du coup, ça les rend assez marrants parce que des fois les proportions sont pas trop bien respectées. Regardez-moi un petit peu cette coupe de Guile. Ou alors ce Zangief en slip rouge là, avec le qui remplace Donkey Kong, je trouve ça excellent. Je vais choisir Chun-Li pour des raisons que okay, j'ai pas débuté. Je vais prendre Zangief parce que j'aime bien conduire les cartes lourdes. Donc voilà, donc à la place de la Coupe Champion, on a la Street Cup, on a la Fighter Cup et on a la Hadoken Cup. On va prendre la première, hein, la Street Cup. C'est parti. C'est parti.
Donc là, si tu veux faire un super démarrage, il faut appuyer sur le champignon juste après le premier feu, maintenant. Voilà, c'est un... Après, c'est dur à avoir comme timing, je me suis entraîné longtemps avant de l'avoir. Du coup, voilà, hein, donc les touches, bah, accélération. T'as les gâchettes aussi pour sauter, ce qui est très utile pour déraper. Là, normalement, vu que c'est le premier championnat du premier mode de jeu, ça devrait être pas trop dur. Hein. On est en première place tous les deux, donc ça se passe plutôt bien. Mais faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Effectivement. Il y a toujours des retournements de situation à Mario Kart. Mais... Ah, c'est très rigolo parce que les power-ups, au lieu d'avoir des carapaces, on a des Hadouken. Mais alors, si on appuie sur arrière plus power-up, je me demande si on peut poser les Hadouken au sol. Ça n'a pas trop de sens, quoi. Alors, je vais essayer. Ah oui, on peut. Donc là, il y a un Hadouken qui traîne par terre. Oh là, mais tu m'as doublé, du coup. Ah oui. J'ai même pas fait attention. Ah, c'était prévu. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Oh non. Ce dépassement sur la fin. C'était serré, quand même. Mais par contre, on leur a mis mais la misère aux adversaires. Ils sont, mais... tellement loin de nous. On leur met 10 secondes, quoi. Minimum. Bon, bravo, hein. Zangief. Je trouve que les niveaux sont vraiment jolis, hein. Avec le petit Dalsim, là, qui sert de... Avec sa canne à pêche pour indiquer le départ. Très rigolo. Oula, là par contre, je comprends pas trop le sens de la course. Ah ouais, il y a des raccourcis et tout. Je suis perdu. Ah, un Dokken rouge là, du coup. Ah, je suis allé dans le mauvais sens. C'est pas très très lisible là. Ah, je me prends des bananes. C'était la mienne. Je te remercie, Bazook. Et avec plaisir, évidemment. On est là pour s'envoyer des bananes et... Qu'une solidarité. Évidemment. Solidarité. Et ouais. Contre l'IA. Faut se serrer les coudes en ces temps de crise. Contre la machine. Comment ? Aucune solidarité contre la machine. Il va prendre contrôle. La machine ? Ah. L'IA. On en est pas encore là. Hein. Bientôt peut-être. Je pense pas que... Ah mais t'as un tour de retard, dis-moi. Ouais, je pense... Ça mérite une carapace rouge, tout ça. Ah non, ça l'a... Je pense pas que... Ça l'a pas envoyé sur toi. Ça m'a épargné. Ah merde, je suis tombé dans l'eau. Ah, j'ai un Hadouken. J'ai... Ah du coup, je perds la... Une deuxième... Eh ben, ça se passait bien au premier niveau, là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est... C'est vrai qu'il était... Cette carte, elle est... Un peu dur à lire, le niveau, là. Ah, dernier. C'est la honte, quoi. Ah, ça... C'est la honte. Ah, ça arrive. T'inquiète pas que ça m'est arrivé un paquet de fois aussi, hein, ce jeu. Encore troisième au classement, il y a encore moyen de finir premier, il y a encore moyen de se rattraper. Il y a 5 courses, là on en est à la troisième. Ah, celui-là est très sympa aussi, je trouve. Hein. Vraiment, ce mode est... Le mode de jeu est très très cool. Oh là ! Ah bah, je suis tombé dans le trou. Par contre, ouais, il faut suivre la route, Emile. N'hésite pas à freiner un petit peu avant les virages et appuyer sur les gâchettes pour retourner plus vite aussi. Ça va être pas mal. Ah mais il y a des boosts juste avant les virages. C'est traître.
Elle est pas facile, celui-là. Wouah, je t'ai vu emporter dictateur avec toi dans, dans un trou à la vitesse de la lumière. C'est assez marrant. Oh, c'est un niveau avec des power-ups de partout. J'essaie de sauter pour gagner du temps et j'ai sauté dans le vide. Ouais, mais... Oh là, bah... Moi aussi, je tombe dans le vide. Assez régulièrement. Même l'IA tombe dans le vide assez régulièrement. Ouais. Pour dire que c'est difficile. Ah, il y a un raccourci, j'avais pas vu sur la gauche. Dommage, c'est le dernier tour, sinon j'aurais essayé de le prendre. C'est peut-être pas un raccourci en vrai. Allez, Amir, tu peux faire au moins quatrième là. Je vais faire dernier. Oh là, ah oui, t'as plus de pièces du coup. Quand t'as plus de pièces, faut pas que tu touches les adversaires. Sixième. Bon alors, le niveau est rigolo, mais alors c'est vrai qu'il y a qui tombe dans le vide assez souvent. Ça mériterait d'être corrigé quand même. Là, on est où? On est au milieu de l'eau? Ah oui, mais c'est une arène, ça aussi, dans Street Fighter. Je sais plus laquelle, mais... C'est le temple, je crois. Avec le maître... comment il s'appelle? Guken, le maître de Ryu et de d'Akuma. Est-ce que je peux lancer la banane? Ouais, t'appuies sur avant en même temps et ça va l'envoyer devant, mais pas comme une carapace. Je suis coincé dans le décor. Ah, j'aime bien les têtes d'Akuma là aussi. Aïe. Déjà, c'est quelle boule de feu? Ah, ça a coupé. Ouais. Ah non, ça y est, c'est reparti. Il y a un petit lag au niveau des serveurs. La boule de feu. Le Hadouken. C'est quel est l'équivalent de la carapace rouge? Alors. La carapace rouge, ouais, c'est le Hadouken rouge qui s'appelle Shakunet dans Street Fighter. Et t'as le Hadouken de base, c'est la carapace verte. Qui en fait est bleue quand tu la lances, là, dans le jeu. Ça s'appelle comment? Hadouken. Et l'autre? Et le rouge, c'est Shakunet. Shakunet. C'est l'attaque d'Akuma, en fait. Ah, okay. Cinquième. Ça progresse. Ça progresse. Après, je me tire la bourre avec Gail. Gail, il a gagné deux courses déjà. Il a presque autant de points que moi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé pour ce final?
Ah, j'ai plus de pièces. C'est pas bon. Oh, il a l'air technique celui-là. Oula! J'ai essayé de prendre un raccourci, mais le jeu a dit non, tu ne triches pas. Il m'a remis sur la route en arrière. J'ai perdu du temps. Et le Hadouken vert, c'est quoi? C'est la carapace verte. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'elle est bleue quand tu la tires. Elle est pas verte. Je t'aurai! Aïe, aïe, j'ai pris un tonneau. Yes, premier. Oh, bravo. Ah, voilà, tu finis en beauté encore une fois. Hein. Tu fais exprès d'attendre le dernier niveau à chaque fois pour... On bat tout le monde. Bravo, Chun-Li. Et du coup, on va voir ce que ça donne le podium. Je grimpe dans le podium, sur le podium. Oh oui, en troisième position. Oh, c'est Honda qui vient distribuer la coupe. N'importe quoi. Ah. Et on éclate Honda. Qu'est-ce qu'il fait? La tête qui se déforme. Ça n'a aucun sens. Il jongle avec les bouteilles. Très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Amir. Bah, je te remercie, Bazook, de m'inviter sur ta chaîne. Ah ben, merci à toi.